vois les 20 000 francs de ta wishlist tombe dans le cap. They can even give you the pardon. Tes yeux vont cliquer. Take. Tu n'as pas encore mangé ta femme. Another person. Tu vas faire comment? 10,000 in a car. Tu dis à tout le monde, oh, c'est toi celui qui a vu les 20 000 francs dans le cap. Only you have seen it. Tu vas louer le Seigneur. Are you going to pray the Lord? Vous serez éprouvé. Franchement, il n'y a pas un baptême, il n'y a pas un désert. Non, c'est maintenant qu'on va commencer votre chrétienté. Or, ça prend le baptême pour que les gens retrouvent. C'est pour ça qu'il y a des gens, avant de vous baptiser, vous enseignent d'abord. Parce que c'est ça que vous allez apprendre beaucoup de choses. We have to teach you. Amen. Mais je pense que vous aimez Jésus. But I think you love Jesus. Or, quand on aime quelqu'un, on n'aime pas le trahir. When we love someone, we don't betray him. On n'aime pas. Amen. Amen. Franchement. Frankly, quand tu commences à aimer, when you start loving, tu vois que c'est la seule personne qui est bien au monde. You see that is the only person they were. On dit pas amen. Amen. Don't you say amen? Vous savez que Jésus est déjà venu. Amen. 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 Vous serez éprouvé. C'est intéressant. Parce que maintenant là, votre engagement compte beaucoup. Your covenant. Et Dieu sait maintenant qu'il peut compter sur vous. God can rely. Il peut maintenant compter sur vous. God can now. Et les choses que vous n'avez pas avant. Thanks. Que Dieu m'a envoyé. That God will bring now. Bring in your life. Parce que vous avez pris un engagement. Because you take a covenant. De marcher avec lui. To work with him. Amen. Amen. Mais vous devez démontrer votre chrétienté. You have to demonstrate your Christianity. Vous êtes chrétien. That you're Christian. Chrétien, c'est un comportement. It's a behavior. C'est pas un nom. It's not name. Non, c'est un comportement. It's a behavior. C'est dans le comportement. In the behavior. Voilà. Amen. Amen. Ta manière de faire. Your way of behaving. Il faudrait qu'à la maison qu'on sente que tu es chrétien. Home, people must know that you are Christian. Ta manière de parler, de prendre des décisions, ta manière de voir les choses, on sent que Christ est en toi. Must feel that que tu es petit Christ Jésus. Like amen. Small amen. Jesus. Si ta bouche avait lance-roquette, if you used to talk enough in the past, faut désarmer ça. You have to slow down. J'enlève du temps, et puis tu jettes. Si y a une 1024. Et les gens, leur bouche, c'est poudriège russe. Vous connaissez la poudriège russe? You used to talk. Et chaque jour, ils fabriquent des avions pour nous épater. Chaque jour. Planes. All planes. Dieu compte sur vous. God rely on you. Et Dieu vous aime. And he loves you. Amen. Vous comptez aussi très pour le Seigneur. Parce qu'il dit, quand un pécheur se répand sur la terre, what is his le ciel est dans la joie. The heaven is in the vous êtes en train de réjouir le ciel. Parce que vous avez décidé d'abandonner le plan de Satan et de marcher avec Jésus. Nous serons toujours prêts à vous encadrer et à connaître Jésus. So that you can know Jesus. Amen. Amen. Nous sommes en train de travailler sur les noms des chrétiens de l'Église. We are working on the names. Et par la grâce de Dieu, nous allons vous conseiller. Quand je vais venir, ce qui va m'intéresser, c'est de vous donner une Bible. When I would be by, il faut que chaque chrétien qui fréquente cette église every Christian comes and the church must have a Bible. Même si tu ne sais pas lire, even on doit lire pour toi la Bible. Know how to read. La Bible, people have to read tu dois la voir chez toi. The Bible, you must have your Bible. Quand Bible je reviens de ma tournée, tout le monde va avoir une Bible. If I'll come back to my tower, parce que la Bible est tout notre guide. On peut vous mentir. Is it a lie? People can lie. Mais la parole de Dieu n'a jamais vous menti. God, nous, won't lie to you. Nous. That's why en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu de cette église, ce qui sera plus intéressant, what will be interesting c'est de vous donner des Bibles. Is to give you Bibles. Il faut que vous ayez des Bibles. You must have Bibles. Et que vous soyez à mesure de les lire. And be able to read them. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons partager la Sainte Seine. We're going to share the Holy Seine. Alléluia. Amen. Et nous lisons la parole de Dieu. Read down God's words. Dans 1 Corinthiens le chapitre 1. Corinthians chapter 1. 11, à partir du verset 23. Who are those who have a Bible? Le pasteur Philippe va me dire. Chapter 11, verse 23. Qui aime le Seigneur? Who loves? Who wrote? Je suis très content de vous voir parce que I'm really happy to see you. J'ai vu votre début. On a mis du temps, des années. We took time. Du baptême, vous avez répondu. And when we talk about, vous avez bien compris. The baptize, you answer. Nous sommes en train de d'aller avec Dieu, avec vous. We are going ahead with you. Dans des bonnes choses avec Jésus-Christ. The good thing with Jesus Christ. Demain, vous serez, vous, les membres de cette grande église que nous allons construire à Divo. Nous allons construire l'église à Divo. The very big church we're going to build here. Une très grande église. A very big church. Le monde entier vient ici. And the world will come here. Oui, vous assure.
J'ai cette conviction. I have that conviction. Et je vois chaque jour la chose. And c'est ça que j'en parle. That's why I'm talking about it. C'est vous. You. Sur lesquels l'Église va s'appuyer. C'est vous qui allez encadrer demain les actes qui vont venir dans cette église. You are going to guide the people coming to that church. Le chapitre 11, 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 23. Chapter 11, verse 23. Car j'ai reçu du Seigneur, for I received from the Lord, ce que je vous ai enseigné, what I handed unto you, c'est que le Seigneur, that the Lord Jesus, Jésus, on the night, dans la nuit où il fut livré, when he was betrayed, prit du pain, took a loaf, et of bread, après avoir rendu grâce, and when he had given thanks, le rompit, he broke it, et dit, and said, ceci est mon corps, this is my body, qui est rompu pour vous, that is for you, faites ceci. Do this en mémoire de moi. In remembrance of me. De même, in the same way, après avoir soupé, he took the cup of also, il prit la coupe et dit, this cup and said, cette coupe est la nouvelle alliance. This cup is sang. A new covenant in my blood. Faites ceci en mémoire de moi. Do this as often as you drink it. Toutes les fois que vous en boirez. In remembrance of me. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain, for as often as you eat this bread, et que vous buvez cette coupe, and drink this cup, vous annoncez la mort du Seigneur. Vous annoncez la mort du Seigneur. You proclaim the Lord's death jusqu'à ce qu'il vienne. Until he comes. Quand vous mangez le corps, n'est-ce pas? When et vous buvez, or dans d'autres communautés, en vous donnant seulement le corps et la personne boit le sang, boit le vin seul. Or, oui. Là-bas, on boit le vin seul et puis on vous donne le corps du Christ. Oh, le sabbat du Père, le corps et le sang. Amen. Sans le sang, le corps n'a pas son sens. Parce que c'est le sang qui alimente le corps. Blood, j'ai eu l'occasion de vous développer. Nothing. Alors, oui. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Indignement. Whoever forever eats the bread or drink the cup of the Lord sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Will be answerable for the body and the blood of the Lord. Que chacun donc se prouve soi-même. Mm-hmm. Examine yourself. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de and la coupe. Only then eat of the bread and drink of the cup. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. For all who eat and drink without discerning the body. Mange et boit un eat and drink lui-même. Judgment against themselves. C'est pour cela, for this reason, il y a parmi vous, many of you are, beaucoup d'infirmes et de malades, weak and ill, et qu'un grand nombre sont morts, and some have died. Si nous jugions, but if we judge ourselves, nous ne serions pas jugés. We will not be judged. Mais quand nous sommes jugés, but when we are judged, nous sommes châtiés par le Seigneur, by the Lord, we are disciplined, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. We cannot be condemned along with the world. Ainsi, mes frères. So then, my brothers, lorsque vous vous réunissez pour le repas, when you come together to eat, attendez-vous les uns les autres. Wait for another. Si quelqu'un a faim, if you're angry, qu'il mange chez lui. Eat at home, afin que vous ne réunissiez pas, so that when you come together, pour attirer un jugement sur it vous. Will not amen. Be condemnation. Amen. Amen. Voilà, voici un peu ce que l'Église. L'apôtre Paul est en train d'expliquer à l'Église. Here de l'Église de Corinthe, c'était l'une des plus grandes églises. Et dans cette église, il y avait beaucoup de dons spirituels. Donc, il parlait de l'importance, so he was talking about the importance de la sainte cène. The love of Lord. Amen. Le corps, le pain, the love of est considéré comme le corps. Is considered as the body. Regardez comment on a fabriqué du pain. Quelle fois qui est rentré dans la boulangerie? Who has ever? Quelle fois vu comment on fabrique du pain? Been in the bake. Qu'est-ce qu'on fait? La machine. La machine qui tourne. Tourne, ouais. Mais avant que ça n'arrive au four, arrive. Toi, mais souvent, tu as peur de ça. Il est effrayé. Bon, non, maman, infantile, elle marche dedans. And we have some other women, we can work on that. On malasse. C'est comme ça le corps de Christ a été fait. Ils l'ont fouetté, ils l'ont menacé le corps de Christ. They beat him. Mais avant que son corps soit glorieux, il est passé par là. His body being glorious. Amen. Amen. Donc le corps, le pain est considéré. So the love of God is considered comme le corps as the body qui a été éprouvé. That have been in trouble. Éprouvé. Il y a eu toutes sortes de preuves. Every kind of proofs. Mais en même temps, éprouvé par le feu.
happens. Et qui produit un résultat que nous mangeons. A reason that ça we veut dire que eating. Quand nous mangeons le corps de Christ, it means when we eat, ça renouvelle en nous l'alliance. That love of brought, it's like amen. Renewing the ça nous restaure, la restauration de l'âme de chacun d'entre nous, of everybody's soul here, parce que Christ a été éprouvé. Because the Christ has been, or, le sang, le vin, qu'est-ce que c'est pas de vie, and the cup, parce que le vin c'est, the wine is, ça fait partie du repas des Juifs, is part of Jews' food. Amen. Amen. Ils considèrent ça comme un aliment qui guérit le cœur. They consider it as something very important. Amen. Amen. Mais en même temps, c'est symbole. C'était symbole. It's like a symbol. Jésus dit, c'est son sang. Jesus said, it's oh, blood. Vous savez bien que c'est dans le sang que se trouve l'âme. In the blood, we have sang. Oh, le sang, c'est signe de vie. And it's a sign of life. Un laboratoire humain ne peut pas fabriquer human le sang. Laboratory cannot make. Ils peuvent tout faire. Cannot fabricate mais blood. Jamais, ils ne peuvent fabriquer le sang. Nobody. Dieu seul. Et Dieu ce secret. Only God. Il a jamais donné à la science. Il n'a jamais donné ça aux scientifiques. He has never given it. Amen. To scientists. Plus vous buvez le sang, more le vin et le sang de Christ renouvelle en vous la more vie. On dit mort, la mort et la résurrection. En fait, ce qui était mort en vous puisse so ressusciter. What was dead in amen. Life, si tout était en désordre, tout était pas bien en vous, le Seigneur va commencer à reconstituer toutes tes cellules mortes dans les rituels, va commencer à vous repositionner. C'est la vie qui a commencé à rentrer en vous. And life has started. Amen. You. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit que celui qui mange le corps, that's why the Bible declares il doit avoir le discernement. The one who eats the love of c'est God important le discernement, le discernement. Have intelligence. Le discernement. Et savoir que ça, là, on ne s'amuse pas et ça, c'est trop sacré. So we don't joke with it. Amen. Amen. Dans d'autres coins, in some other places, les sorciers jouaient ça. So sorry that I joke with it. Prenez le corps du Amen. La Bible prend ses fesses pour prendre le corps de Christ. Amen. Ici non. Tu t'amusais avec ça, tu vas avoir cancer. Qu'est-ce que tu sais là? Où tu as appris ça là? Tu vas avoir cancer de ça. Amen. Amen. Tu vas avoir cancer de fesses. Et cancer des cuits, excusez-moi. La vie là qui a dit ça. Il veut rien dire. Elle a mis l'église dans le cuit. Amen. Vous dites qu'on ne joue pas ça. Just to say that we don't les choses de Dieu sont trop sacrées. Pourquoi on jouait ça? We don't on doit être sérieux. We have to be serious. C'est un engagement qu'on prend vis-à-vis des hommes et des dieux. Amen. Like vous allez prendre la Sainte Seine, vous dites désormais, vous devez être fidèle au Seigneur. And be faithful. J'ai dit ça à mon fils, il dit il va trop au funérail. Je ne dis pas son nom, mais il est là. Il dit, il faut laisser un peu de funérail. Tu vas chaque semaine au funérail. My son. Chaque jour, quelqu'un meurt dans ta famille. Every week he's going to funeral. Il faut laisser les funérailles. Il faut pleurer ici. You have to cry here. Laisse les laisser morts. On dit laisser les morts enterrer les. Laissez les morts. On dit laisser les morts, toi-même tu vas aller enterrer les morts. Que Dieu nous aide. C'est-à-dire, c'est tout un sérieux. Ça partit de vous qu'on va commencer à reconstituer, mettre l'église en place et tout ça. Et l'église va commencer à vous suivre dans la foi. Amen. The church will also follow you. Donc, nous allons amenez-moi la Sainte Seine. Bring me the Holy Spirit. Nous allons ensemble partager le corps de Christ. Et pour tous ceux qui ont été baptisés par immersion, pour vous tenir debout, après que les nouvelles personnes aient pris le. Oui, notre Dieu, parce que tu es merveilleux. Éternel, notre Dieu. Tu as connu une mort glorieuse. Parce que tu es venu mourir pour l'humanité. Tu t'es donné la croix. Puis au travers de ta mort et ta résurrection, nous puissions connaître ce qu'on appelle la vie éternelle. Oui, Seigneur, notre Dieu. Communiquons une onction particulière à ce vin, n'est-ce pas? Et au pain. On the love of bread. Et que ta grâce demeure à jamais. May your grace be on that love of bread. Merci de te manifester. Thank you for demonstrating. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous venez rapidement. Vous venez. Lord, et que vous ayez, vous devenez des véritables chrétiens. So pas du nom, mais dans le comportement, vous êtes des véritables chrétiens. Il commence à m'apprendre.
Yeah.
Et nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu. Toute la gloire. Oui, toute la gloire. Le ciel est ton trône et la terre est ton marche-pied. Nous voulons t'adorer, notre Dieu, ce matin. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui as connu l'humiliation, toi qui as connu l'ignominie à cause de nous. Oui, qui t'es donné la gloire à cause de nous. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Merci notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus s'il te plaît. Acclame Jésus s'il te plaît. Acclame Jésus s'il te plaît. Regarde droit dans les yeux du monsieur ou la frère, le frère ou la sœur juste à côté. Look out in the eyes of a brother or sister. Et Dieu est bon. God is good. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jusqu'à samedi, till Saturday, le Saint-Esprit me charge de vous donner un programme the Holy Spirit, de 6 jours de jeûne. Et que l'argent, parce que tu es destiné à être riche. Because oui, you are to be Dieu ne nous a pas créé pour être pauvre. Il nous a destiné la richesse. Nous allons ensemble, rentrer dans cette gloire en combattant l'esprit de pauvreté, en combattant l'esprit d'échec. En combattant l'esprit de misère et de richesse. Ce sont ces démons-là que nous allons attaquer en semaine. Et tous les soirs, il y aura un programme de délivrance ici. Tous les soirs, jusqu'à samedi. Et le dimanche, je prenais le temps de vous consacrer. Le dimanche prochain, je vais vous consacrer à la grandeur. Oui. C'est pas une question de payer lui, non. Lui viendra de moi-même. Je vais vous consacrer. Pour que désormais ce que tu touches puisse prospérer. Alléluia. Puisque tu puisses prospérer dans les affaires. Tu puisses prospérer dans les affaires. Et en même temps, pour ceux qui ont des problèmes de fécondité, tu n'arrives pas à reproduire, tu n'arrives pas à faire des enfants. Tu te sur une occasion de jeûner. C'est vraiment important. C'est inspiré par le Saint-Esprit. À partir de demain, jusqu'à samedi, nous allons jeûner. Amen. C'est un jeûne jusqu'à 18h. Vous coupez le jeûne, vous venez à l'église ici à partir de 18h pour prier. J'envoie déjà le pasteur, je lui ai donné des sujets, comment prier. Et ça c'est vraiment important. Frère, les gens vont te respecter lorsqu'ils te viendront dans une abondance. Oui.
Les gens commenceront à te respecter quand tout va commencer à aller chez toi. Même ton enfant ne te respectera jamais. Parce que si le jour n'aura pas l'argent pour aller à l'école, il va plus te respecter. Le jour, ça ne même chien par la langue. Même si la plus grande chasseuse des démons, le jour où tu auras problème d'argent, ta maison va commencer à te vomir. It can be able. Amen. Oh, la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Le dimanche prochain, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Oh, je prends le trône et puis je vais faire soit chacun d'entre vous. Je vais vous consacrer. Amen. Vous savez, c'est ce qui a été semé dans ta vie. C'est ce que tu récoltes dans la béni. C'est ce qu'on a semé là que tu récoltes. Amen. C'est pour ça que cette semaine, la semaine prochaine, vous allez prier pour que la malédiction tombe, pour que l'échec tombe. Vous ne devez pas échouer. Non. L'échec n'appartient pas à Dieu, ne vient pas de Dieu. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et le dimanche, ça serait un culte de consécration. Amen. Je vais faire soit un trône. Et puis je vais consacrer chacun d'entre vous. Nous voulons avoir une église glorieuse. Une église où les gens sont prospères, frère. Une église où les gens tout prospèrent pour toi. Et c'est important. Pourquoi les gens respectent les Juifs dans le monde? Pourquoi la vie, la prospérité des Juifs? Quand vous voyez un Juif, ce qui le caractérise, c'est l'argent. Depuis qu'il a voyagé dans les grands pays développés, quand on parle d'un Juif, c'est qu'il a l'argent. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Quand on parle d'un Juif, c'est qu'il a l'argent. Or, quand on parle d'un Juif, on parle du Dieu d'Israël. When we talk about Jews, we talk about God of Israel. Amen. Amen. Alléluia. On dit amen. Amen. Il faut que ton témoignage touche ton voisin. Your testimony must touch your neighbor. Tu ne vas pas être la même personne. Les choses doivent changer dans ta vie. Alléluia. Après cette consécration, after this thing, tu vas voir un coup de fil venir vers toi pour dire, parce qu'on constate que les gens ne voulaient pas que les sorciers les mangent. Oui, c'est pas un péché. It's not a sin. La vie a toute forme de consécration. We have every kind of sanctification. On te consacre dans l'argent. That will get to sanctify you. Ça doit venir. Ça ne va pas partir. Il y a des gens qui tout l'argent, ça s'en va. L'argent est parti. C'est pressé. Tu ne veux pas dépenser, ça se perd. Mais ça ne veut pas laisser toi. Every time losing your money. Or si l'argent reste pas, tu es possédé. If your money does not serve for anything, il faut que nous soyons bénis. We have to be blessed. Financièrement bénis. Financially. Pour que nos vies témoignent. So that our life can be a testimony of the power of the power of God. Consacré comme millionnaire, milliardaire. Mon fils, tu vas là-bas. Il était tombé. On dit hors de Iré là, celui qui crée ça. Is working, this is how he'll go. Ne l'attaquez pas. Amen. Amen. Ils sont tous tombés, il n'y a plus de l'or à Iré. Tout le monde doit. Tu devrais le meilleur. You'll be the best. L'argent doit venir dans ta poche. Je vais consacrer. Il a fait de construire une maison à Iré. Il transporte de Iré, il vient tout ici. Tous les empaillés l'approchent plus devant. Mais ton prophète là, il faut qu'on le voie aussi, hein. Or, l'ancien, le président et moi, on allait faire des réunions avec les empaillés. C'est à cause de nous, les gens triplent les gens là-bas. Sinon, les gens tuaient les gens pour pas leur s'envoyer les prisonniers là. Nous, on s'est opposé à ça. Depuis que nous sommes allés dans cette région, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Too many things have changed. Je l'ai regardé, j'ai dit, toi, tu auras l'argent. I told him that you are going to have money. Amen. Amen. C'est pas de l'orgueil. Moi, je sais que Dieu est moi. Il n'est pas besoin de te dire. Je connais, je sais que Dieu est moi. I know that God is with me. J'ai commencé à le regarder depuis là, il est venu. Amen. Il est parti de rien. Je l'ai rencontré quand il était pauvre, lui. I met him when he was poor. Aujourd'hui, là, tu attends combien de maisons maintenant? Hein? 5 maisons, on n'a pas besoin. Année non, une année. In a year. Le voici là. Vous parlez non, faut mettre une là, faut pas chercher à me toucher. Ok.
On va te consacrer pour que tu aies l'argent. Si son chien ne te mange pas, tu ne manges pas aussi. Tu dois manger, tu dois les construire. Il faut que les choses bougent. Ta vie est bloquée. Il faut que ça soit débloqué ta vie. Débloqué. Et cette semaine, à partir de demain jusqu'à samedi, rentrez dans une révolte spirituelle. Révoltez-vous de votre situation. Pour vous dire non. Je ne dois plus acheter ce stade-là. Non. Oui, non. Il faut que Dieu change ma vie. My life has to change. Je dois être prospère. To become et nous allons semer les bonnes choses en toi. C'est ce qu'on a semé là. Que tu vas récolter. Voilà. Parce que la parole est une semence. Because le dimanche, the word, nous allons semer la grandeur de ta vie. Ce qui a rendu David grand, c'est l'onction. Est-ce que vous ne savez pas? Parce qu'ils l'ont oint. Qu'il allait prendre le trône. S'il n'avait pas eu cette onction, il n'allait jamais sur le trône. En cause de cette onction, le trône l'attendait. Oui. And the throne was qu'est-ce qui a été fait sur toi, papa? On n'a rien de vu. Parce qu'il y a des gens dans leur famille qui sont destinés à être pauvres. Some people here in the family today are poor. Ouais. Malheureusement, ils sont destinés à être pauvres. Or, la Bible dit, quand on lit Galates, le chapitre 3, allons-y dans la parole de Dieu. Moi, le démon, quand je me lève de mon lit, le démon, il n'y a plus ni juif, ni grec. Plus ni esclave, ni libre. There is no longer Jew, ni esclave, there is no longer slaves or free. Il n'y a plus ni homme, ni femme. There is ni no longer male and female. Car tous, vous êtes un en all Jésus. Of you, nous sommes tous un Christ. En Jésus. Dis amen. Amen. Le juif et moi, nous sommes un en Jésus. The Jews and I one in Jesus. Allons-y. Et si vous êtes à Christ, si vous êtes à Christ, belong to Christ, vous êtes donc de la postérité. Then you are. Alléluia. Je suis la descendant d'Abraham. I'm Abraham offspring. Héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Amen. C'est pour ça que tous ceux qui descendent d'Abraham sont bénis. That's where every people coming from Abraham. Tous ceux qui descendent d'Abraham sont bénis. All those were. On dit maintenant Jésus là. Il n'y en a ni juif et ni le grec que tu es. Nous sommes tous un en Jésus. We all are one in Jesus Christ. Amen. Nous avons tous part en cet héritage d'Abraham. And this heritage. Celui qui te bénit sera. Celui qui te maudit sera. The one who curses you will be cursed. Quand on parle d'Israël, we're talking about on parle directement d'Abraham. We think strictly. À cause de l'alliance que Dieu a tissé avec Abraham. C'est tout. Simply because of the alliance. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut que Dieu. So, God, tu manifestes dans ta vie. Must demonstrate in your life. Tu dois être le meilleur là où tu es. You must be the best where you are. Amen. Tu es footballeur, quoi de meilleur dedans. Football player, you have to be the best. Amen. Amen. J'ai consacré pas mal de gens qui sont venus. Too many people. Je dis pas les noms. Il y a trop d'ingrats dedans. Les gens, il y a plus les prêts. Il y a 47 aujourd'hui. Je les consacré. Quels sont là là? Ils ont marqué des buts. Ils me connaissent. On est amis sur le Facebook. We are friends on Facebook. Je dis pas ton nom. Mais tu vois, en train de marquer des buts seulement. Mais jamais tu envoies l'argent pour scoring goals. Ils l'ont fermé dans une chambre, ici, en Côte d'Ivoire, ici. Put him in the room. Ils l'ont chassé. Because they chased him. J'ai pris ses paires de marques, je suis allé consacrer. Il l'a fermé 7 jours dans la chambre. On lui donnait à manger tous les soirs. Quand il est sorti de la chambre, effectivement, on l'a appelé un contrat. Il allait jusqu'aujourd'hui. Il est from the room. Mais il ne me connaît plus. Il ne me connaît plus. Crow called him. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, demain, on va voir. Quand vous consacrez, you have to be sanctified. Il faut qu'on te consacre dans un domaine. Il faut qu'on parle sur toi. Vous savez, si Dieu veut te bénir, je ne sais pas si j'ai quelqu'un qui a parlé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut que quelqu'un parle sur toi. Someone has to talk. Pour que le ciel s'ouvre sur ta vie. So that the heaven can il faut que quelqu'un parle sur toi. Il y a des gens qui ont une alliance avec Dieu. Some people have alliance. Ça dépend pas d'eux. Mais Dieu a fait une alliance avec eux. Depend on them. But only God has done it. Comment Dieu a fait alliance avec David? This is what God done with David. Il y a des gens Dieu a fait alliance avec eux. He made it on their eyes. Quand il crie, Dieu oublie de répondre. When they cry, Madame Caroline témoigne à la téléphone le dimanche passé. Last Saturday, c'est la belle-mère du footballeur Stéphane Séseignon. Give a testimony here. La belle-mère. La maman de Marie. The mother of the Lord. The mother of Marie. Celui à quoi c'est sa maman qui était là dimanche. It was her mother. Elle était morte. She was dead. Pourquoi son histoire était morte? She was dead. Elle n'était pas là-bas.
Elle vous a bien dit ça ici. Ouais. Elle allait à tout bas. Un petit chien qui lave une personne 7 jours, 7 fois par jour. Washing someone for 7 days. Chaque heure, il va la laver. And every hour, washing à tout bas. Into what? Et puis donc, on peut dire, ok. Les médecins ont dit même, elle est morte. And even the doctor said, she's dead. Quand son fils. When? Heureusement, moi, ça aide beaucoup de gens. Oui, ça aide beaucoup de gens. Watching on YouTube, le petit a vu. Il a appelé un des enfants spirituels du pasteur de Jean. Il dit, est-ce que tu connais le prophète Crasso? Est-ce que tu connais, si c'est vrai? Parce que je vois la sécheresse tourner devant un homme de Dieu attaqué la sorcellerie. Il dit, c'est vrai. Witchcraft. Donc il est rentré en contact avec moi. So, he read me. Sa soeur est venue. He called me and his sister. Sont venus à Divo. Et Divo. 5 millions dedans. 5 millions. Oui. Oui, il y a eu 5 millions. Five. Mais maintenant, il faut dire, écoute, ça là sûrement c'est pour entrer en matière. Hein? This money is quand la vie va guérir, tu donnes bonne chose. And if she'll heal, moi, on n'achète pas. On n'achète pas. Je suis désolé. Si tu étais venu me donner, if it just come to viens prendre, il y a besoin d'argent. Mais il y a une question de maladie, de vieille, de temps. Because of sickness, écoute, dis-moi, on n'achète pas. Because of healing, elle a pleuré. I said no. She cried. Attends, je vois ta maman. Quand je l'ai vu, let me see your mother. Non, elle est morte. I said, oh, she's la fille a bougé. Because she moi, je confirme que c'est grave. Il dit non. If I confirm, les médecins même vous disent qu'elle est morte. So she was about to die. Madame Boumeni, elle est morte. Quand je vois là, rabbits, frère, elle avait plein dans sa bouche. Plein. Was hurt in elle, her mouth. Elle parlait à peine. She couldn't even talk. Elle s'est levée, elle pleut partout. Daughter, je ne suis pas Dieu. I'm not God. Mais Dieu m'écoute. Je lui ai dit, Dieu me. Je sais comment parler à Dieu, je sais comment lui manager. I know how to talk with God. Il va me répondre. He will answer me. Parce que c'est un témoignage. Because it is a testimony. La médecine a échoué. Les marabouts ont échoué. Dieu va, il va faire. S'il ne fait pas, il va faire. Marabouts have failed. Il ne fait pas, il va faire. Il ne fait pas, il va faire. Amen. Et puis je l'ai coincé, j'ai commencé à manager le Seigneur. And I et puis il m'a dit, oh, vas-y, elle va guérir. Quand je lui ai dit, ah, ta maman, elle est guérie. Pendant que j'ai regardé sur le Skype, j'ai tendu ma main, je parle. Till I'm talking right now, j'ai détruit l'esprit de mort dans ta vie. Je te déclare guérie maintenant. Amen. Au nom de Jésus. J'ai dit, donnez à manger la dame. Give her food. Elle a pris des yaourts. Le lendemain, je l'ai suivi de près. Le troisième jour, s'est levé du lit. Jusqu'à aujourd'hui, elle est guérie. Dieu, Dieu. Il y a des gens, Dieu écoute. God is listening to people. Il y a des gens, Dieu écoute. Parce qu'il a une alliance. Voilà, avec Dieu. Because they have a je vais te consacrer. Amen. Voilà. They are listening to il faut que les gens sentent que les chrétiens sont bénis. People have to know il faut que les gens sentent l'appel de Dieu, c'est pas l'appel de Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Non. Mais quand on a l'argent, on a les magasins, on a les voitures, on a les supermarchés, pourquoi on est béni aussi? Quelqu'un est béni, il donne librement. Quand quelqu'un est béni, il donne. Tu n'as if it comes after enjoy and give you back. Le monsieur n'est pas béni. The man is not blessed. Le monsieur n'est pas béni. The man is not blessed. Tu l'as en caisse, il doit 2 mois, tu and in this money for his house for 2 months. On veut fermer sa porte parce qu'il doit 2 mois. Because he owes 2 months. Il doit lui dire de payer sa dîme. And mais qu'est-ce que tu cherches? For the church. Tu dois le tuer le fidèle. You bless you. You're killing him. C'est ça que quand le fidèle est béni, that's why. Et si on peut dire, vous allez jamais me dire non. Venez, venez, venez. Non. No. Si tu es béni, if you are blessed, va donner. You know what you have to do. Qui sait ce que tu dois faire? You know what you have to do. Non, c'est pas moi qui dois te poursuivre. No. Tu es chrétien comme moi. Who is going to chase you? Amen. Amen. Ça c'est vrai que Dieu ne rentre pas. Il faut prier pour que Dieu ne rentre. C'est pas le monsieur n'est pas béni qui donne pas. Combien? Est-ce que tu as fait ça? Oui, oui. Si tu vois qu'il dit, il n'y a pas de dîme qui rentre beaucoup. Donc ça dit, pasteur, faut prier. Ça dit, le pasteur doit prier pour que les gens aient l'argent pour venir payer. C'est pas pour les encaisser.
On les encaisse comme des voyous, comme des brigands dans les poursuites des fidèles. Si toi-même tu vois que dîme n'est pas rentré, ça veut dire toi, ta prière, les fidèles ne sont pas bénis. Donc on va commencer à prier pour eux. C'est pour ça qu'ici, vous n'allez jamais voir entendre les poursuites quelqu'un. On ne va jamais vous donner les enveloppes, payer vos dîmes, non. We'll never give the envelope. Si tu es béni, tu sais ce que tu dois faire. Toi-même, tu sais ce qui c'est. C'est notre prière, notre devoir c'est de prier pour la maison de Dieu. Amen. On ne fait pas de saintes prédications pour courir derrière vous, vous séquestrer, we don't have to run after vous brigander au téléphone. Ma fille, si t'as payé ta dîme, moi ne poursuis jamais, demandez aux gens. I never, Je n'ai jamais appelé à Christ. Même de l'or, il m'a mis de l'or. Alléluia. Oui. On veut avoir une église des hommes d'affaires. Alléluia. Il faut qu'il y ait des hommes. Il faut que le président Sekou soit béni. Il faut que l'ancien soit prospère. Et que tout le monde soit prospère. Tout le monde est prospère. Mon argent ensemble. Si nous mettons l'argent ensemble, on va construire le Dieu. C'est ça, c'est notre bataille. Here is our part. Oui, on ne sait pas pour ça. We're fighting for that. Que chacun soit béni. Amen. Amen. Béni. Amen. Si on est béni, tu vas bien dire à quelqu'un. Tu vas bien dire non, faut donner. Tu donnes. Si on ne donne pas, c'est qu'on n'est pas béni. We don't give, it means si on ne donne pas, c'est qu'il y a problème. We don't give, it's meant for... C'est qu'il faut écouter le fidèle, il y a un problème. Il s'est dit non, si j'ai donné 10 000, il y a un moyen quoi. If I give, for example, 10,000, what am I going to eat? Il y a peur de donner. Okay. Quand quelqu'un est béni, il n'a pas peur. When someone is blessed, he's not afraid. Amen. Amen. Il n'a pas peur de donner. Not afraid. Je n'ai jamais appelé un fidèle pour dire. Never have called the follower. Et t'as dit? Didn't give your tip? Jamais. Never. Amen. C'est les gens qui m'appellent qui viennent me bénir. Et je suis content parce qu'ils sont bénis. Amen. Or quand quelqu'un est fidèle, ce n'est plus une bénédiction. When you run after, tu es un braqueur, tu es un voleur. You are a stealer. Aux gens, vous voulez les fidèles, vous voulez leur argent. La dîme, c'est pas forcé. The thief is not. Tu n'as pas besoin forcément de dire. Yeah. La personne est bénie. If the person is blessed, he can give. Si elle n'a pas donné, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est de prier. Oh, les gars, il veut la prière. Oh, il y a des gens même là. C'est filé. Les paniers là. C'est filé. The buckets. Et puis dis-le, ça prend, ça tombe. Le Seigneur n'a pas pris. Tout a bien pour dire, mais ça prend là. The market is like a trap. Aujourd'hui, là même, Dieu merci. Il y en a en pièces. It can fall down after. Il n'y a plus. Il te dit, comment tu vois que le Seigneur n'a pas pris? Because you put one on there. Le Seigneur n'a pas pris ton argent. Toi-même, c'est resté sur toi. And you will share. Because of what c'est, you have given. C'est brigandage. C'est de la voyousie. On n'a pas besoin de même filer. We don't even need. Quelqu'un même peut donner 500 francs. Someone can give him. De tout ce que le Seigneur accepte. Amen. Depuis les déchets, vous m'avez pas mis dans les prêches. Tous nos problèmes, allez payer vos goûters d'huile. On va verser chez vous. Le reste là, votre argent, tout ça nous intéresse pas. C'est ça. We're not interested in your money. Amen. On a, non, prêche pas, c'est ça. We don't preach. Non, je suis désolé. Non, mais dis à quelqu'un donner là. J'entends le brigander. Est-ce que lui, mais c'est pas ce qu'il doit faire. Mais c'est pas ce qu'il doit faire. Not believing correctly, because only the person that knows. Il connaît, il sait, mais il n'a pas. Il a envie de faire, il n'a pas. It doesn't have. Parce que moi-même, je donne aux fidèles. Demande aux gens. Sometimes, I leur donne l'argent. My mother. C'est ça une église. Here is the church. Il n'y a pas fait de passer à part. Nous sommes tous chrétiens. We all are Christians. Parce qu'il est chrétien. Moi, je suis chrétien d'abord avant d'être prophète. Before voilà. Donc, si je vois dans la corbeille qu'il n'y a pas l'argent, ça veut dire que moi, prophète, je dois prier pour que vous ayez l'argent que vous venez donner. Je ne dois pas vous forcer à prier. Et tu as honte de partir à l'église. You are ashamed to go to church. Tu as peur d'aller. Tu as peur. Mais le pasteur a parlé de ça. Because you're going to talk. And they even open to you. Demain, souvent, on dit, va vendre ta maison. Go and sell your house. Ou bien faire une offrande.
for Austria. C'est des braqueurs. Je suis désolé. All the people against us. S'il vous plaît, prenez une fusil, allez braquer le magasin. Pourquoi venir braquer les fidèles à l'église? Ils viennent parce qu'ils ont des problèmes. They come here because they have ils ont l'argent. S'ils ont l'argent, pray for them so that they can get money. S'ils ont l'argent, donnez. If they have, vous avez une famille qui est béni et qui est assis. If you have a someone who is blessed, vous avez une famille saine. And quelqu'un qui a été visité par le Seigneur. Someone who has been visited Dieu, by the Dieu Lord. L'a visité. That the Lord visited. Que Dieu a béni. That God blessed. Qui est assis? Y a un frère. Who is down? Il a Zaroko, il m'avait 30 000. The brother in Zaroko brought me 30,000. C'est quoi? Il dit non. Il a été béni. Non, il a dit. Simply, I've been blessed. That's why. Il dit oui, mon pays sont tirés, il est béni, il a cherché des chaises. Il a déposé à Zaroko. He brought even, he bought even some chaises. Le prophète même là, il doit prendre 30 000 francs pour son carburant. He has to, c'est pas moi. I have to mais vous êtes famille quelqu'un? Give 30,000 to qui est chrétien? Have you ever seen a Christian? Quelqu'un touché par Dieu? Well, qui a sonné des millions? Qui est chrétien? What? Et qui fait rien. Non, vous aussi. But there's nothing. Non, un véritable enfant de Dieu. Quand il est béni par Dieu, forcément il se manifeste. Forcément il se manifeste. Or, si les gens ne sont pas manifestés, c'est qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Il faut prier pour eux. C'est ce qu'il dit aux gens. On n'a pas besoin de dire donner. Et puis, ça fait partie. C'est chaque jour parler de ça. Every day talking about it. Lorsque quelqu'un est béni de Dieu, when someone is blessed, il donne sans problème. He can give without any problem. Il donne. Amen. Amen. Comme tu es pasteur, you are chrétien. Even the pastor, pour ton aussi. You can also give. Moi, j'ai pas peur de donner aux gens. I'm not afraid to give people. To il y a people. Les 200 000, les 300 000, je donne aux gens. 200,000, 300,000. Je fais ça moi, crasson, je fais. I do it. Sans problème. Je donne. Parce que je sais que donner, c'est recevoir. Because I know that giving. Je sais. To receive back. J'ai pas besoin de dire ça à quelqu'un. Le jour je sais qu'il n'y a plus assez d'argent, il m'a donné. The day I know that I don't have mais si toi-même, ceux qui sont moi, j'ai donné. Moi, je vide ma poche puis je rentre. Et après, ça, je vois des coups de pied. J'ai tellement become me. Parce que je j'ai pas besoin de dire fidèle. I don't have to say to follow a Christian. Quelqu'un qui est béni, qui a été visité par Dieu. Someone who has been visited by God, who has been blessed. Du coup, tu vois ça? Souvent, il dit, ah, j'ai fini, j'ai fait. Cette semaine-là, j'ai eu beaucoup d'or, mais tiens, j'ai donné un sac de riz à. Les voisins, il dit, j'ai donné un sac de riz à Zaroko, hein. J'ai t'envoyé un autre sac de riz ici. Tu ne parles pas. Amen. Tu as fait ton or, toi-même, tu es chrétien. Ce que Dieu t'a donné là, si tu ne m'as donné, c'est pas moi qui te dis ça. Le mining society. Parce que quelqu'un est béni par le Seigneur, frère, il donne. Amen. Tu vois que les gens ne donnent pas, c'est qu'ils ne sont pas bénis. Let me tell you that when someone is blessed, arrêtez vos prédications, arrêtez ça. Can give. Vous brigandez les gens. Vous brigandez les gens. Vous les séquestrez, les gens sont bénis, et les gens même là. On a demandé, hey, numéro 2, où est ta dîme? Numéro 5. Number 2, where is your team? Il y a les numéros. Chacun son numéro pour dire. Everybody's number. Hein? On vous demande. On dit non, c'est forcé, hein? Non. And it's compulsory. Franchement, il faut que Dieu nous aide. Frankly, God et puis prêchons le vrai évangile. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations difficiles. Et puis les choses sont bloquées. Qu'est-ce que l'église doit faire? Qu'est-ce que l'église doit faire? Le rôle de l'église, c'est d'aider les gens. Le rôle de l'église, c'est de prier. Or, quand les gens sont délivrés, ils bénissent l'œuvre de Dieu. L'œuvre, il ne faut pas forcer. You don't have to do it. Chacun d'entre nous a un passage obligatoire. All of us. Comme j'ai vu l'autre, ma voiture, sinon moi. C'est ce que your passage. Moi, j'ai des gens pour lesquels j'ai prié. Tu vois dans les I have prayed for some people here. Le prophète, j'ai tellement de voitures, c'est parce que j'ai donné. Too many cars. Hey. You don't know what I have to do, give me. Il a compris. I said okay. C'est pas moi de dire non, donne-moi telle voiture. Toi, tu sais pas, mais j'ai réfléchi, j'ai donné une voiture. Et puis, j'ai pas appris de ça. Oh, il y a des gens, tu les as envoyés dans ton parking. If you bring some people. Your party? Moi j'attends mon temps. Waiting for pas toi, c'est Dieu qui va me bénir. J'ai toujours vu Dieu comme ça. I always il t'a délivré, tu ne sais pas quoi, quelle voiture tu l'as donné. Que tu vas avoir. You don't know what to do. Ok. Yeah. Tu as raison, ce n'est pas toi qui vas me bénir. You're right, you're not c'est the Dieu. One who is going to bless me, but God. C'est Dieu. C'est pas mon roro que tu ne roules plus. Tu vas me dire, va réparer. Quel échec ne prend plus.
J'ai compris. Oui, si, c'est pas une bénédiction. It's not a blessing. Il y a un frère qui m'a donné une voiture. A brother gave me a car. J'ai dépensé plus d'argent là-dessus. I spent too much money on it. J'ai compris que c'était pas une bénédiction. It was not a blessing. Que Dieu nous aide. May God bless. Il y a quelqu'un que Dieu nous aide. Send your neighbor. May God help us. Kokura Pakom, c'est qui? Who is Kokura Pakom? Dieu. C'est dédié to the Lord. Parce que il m'a sauvé et la famille aussi. And my family. Et dans le mois de juin. In June, ma grande sœur était décédée. My sister died. Le micro. Quand je suis de retour, j'ai senti une douleur à ce. And when I was back, I felt the pain. Ma femme a dit non. C'est la fatigue parce que tu étais trop mis dans les funérailles. J'ai dit non, ça là c'est pas affaire de fatigue. Moi je suis du corps. Il est infirmier. Je suis infirmier diplômé d'État à Lakota. À Lakota. Working in Lakota. On a pris des médicaments, ça va un peu, ça vient, ça va un peu, bon. Et dans le mois de septembre, le matin à 6h, mon fils est là même. Il est tombé et anémié. Il fell down. Qu'est-ce que c'est blood. Moi, je souffre, mon fils aussi. I'm suffering. Et comment il peut faire pour économiser? En tout cas, on a prié. We prayed. Jusqu'à bon, actuellement, ça va. Et dans le mois de novembre, in November, la douleur est revenue. The pain came out. Le 20 décembre, matin à 6h, je me lève, je ne peux plus. The 20th December, la douleur est venue jusqu'au doigt. The pain was on qu'est-ce my finger. Qu'est-ce qu'on passe encore? Dis-moi, madame, qu'est-ce qu'on va faire? And si c'est pas Dieu, mais est-ce qu'on ne sait pas où on va partir? Quand deux sont venus voir, va voir tel malabou, il dit non, si ça fait un malabou, c'est bon. Va voir ça, il dit c'est bon. Mais qu'est-ce que tu veux? Je dis, bon, je veux la santé. What do you want? La guérison totale. My healing. Et je suis parti faire examen. And I went for mais l'examen, il n'y a rien. Nothing. On n'avait rien vu même. Je dis, d'accord. I said, okay. Le 26 décembre, the 26th on est venu December, ici. We came here, on a fait la veillée et le dimanche, and we had a vigil. J'étais assis de l'autre côté. I was sitting there. Au moment où on priait, while praying, moi-même, en tout cas, je ne voyais rien. Tout était I couldn't tout. See anything. J'étais paralysé même. Même au sol. J'étais dans la chaise. Après, je dis non, je ne peux plus. Je suis m'asseoir. Et quand papa m'a dit, quand venaient les malades, when, on m'a suivi. Et je suis venu faire là. I'm here, the sick people. Et ils ont envoyé deux jeunes, ils m'ont soulevé. Ils disent, soulevez qu'est-ce qu'il a? Two young people came and take me up. So et quand il a prié, quelque chose est tombé à ce niveau. Jusqu'à là. Something et je sens que tout est grassé. From en tout cas, quelque chose me dit, laissez-le, il va partir. Ça fait et je suis sorti, j'ai marché. Let me alone. It's going to work. Et je suis, quand on a fini, and on a fait finished, les trois bains en même temps. Amen. Je me dis, j'ai fait les trois en même temps. And then going to j'ai fait trois jours après, three days je suis parti à Gagnon pour voir les amis. I went to et c'est sorti, Renoir. Normalement, on dit qu'il y avait l'obo sciatique. Qu'on doit opérer. I have to be operated. D'accord. On dit d'aller au sud de Yopougon, on va être professeur. So, Yopougon et je suis parti voir le professeur, il m'a donné des médicaments pour deux semaines. He gave me some medicines for 2 weeks. Mais au moment où je prenais les médicaments, la while douleur ne dormait pas. The medicines, la douleur même est the plus qu'avant. Was really coup, enough. Je suis anémié. And je suis anémié. J'ai perdu 10 kilos en moins de 3 jours. Anémie. Je dis d'accord. Dieu aussi est là. Et on est revenu à ces and médicaments pour back, deux semaines. Bon, on est venu. Il nous a donné un rendez-vous. He gave us a rendezvous. Il a dit, bon, si tu viens que ce médicament que je te donne en if France, you want ça va pas, c'est l'opération qui va te coûter environ 1,8 million. That we have to operate j'ai you. J'ai compris. Mais quand j'ai dit, j'ai compris, où est-ce que tu as trouvé cet argent? Depuis que j'ai travaillé, je ne peux pas économiser à cause des maladies de ma mort. Les choses que je ne comprenne pas. I didn't donc, understand quand on est arrivé, on a envoyé un message à ma femme. We sent a message to my wife. Qu'il y a une veillée à Zaroko. That there is a vigil in Zaroko. Quand on est parti, ma seule prière, la guérison, et surtout que papa me touche. Et puis Dieu est guéri. Was that parce que je souffrais. I wanted je souffrais. The prophet to touch me. À 1h, 2h du matin, on dit non, les malades ne cassent pas place ici. Il était le premier. And it il rentrait pour aller sur la chaise. So the sick mais people il est venu avec un pasteur, ils ont prié, moi même pas tout, they parce qu'il regardait. Tout il me touche, il ne m'a pas touché. He didn't touch me. Qu'est-ce qui se passe? But c'est ça, on est venu en ville ici. And when he came la here, réception, ma femme, son nom était devant.
Elle m'a dit, bon, si on m'appelle pour prendre ma place, parce que si tu veux que toi, mon travail, ce n'est pas bon. Et quand on est arrivé à ce niveau, elle m'a pris sa place, elle dit, non, allons ensemble. I've been called, on est mariés, allons ensemble. Je vais se passer devant toi. Et on est rentré. When we enter quand on his est rentré, office, j'ai dit, quand je suis rentré, je ne suis pas là. J'ai dit, non, je suis guéri. Et il dit, pour lève-toi. Il est guéri d'attraper. Il dit, non, tu es guéri. Ils ont tiré sur toi. You are healed. Il dit, en bon. They shot you. Tu es guéri. You're healed. Et la solution, dis-nous la solution. But what is the solution? Et on a quitté ici à 21h pour aller à la route. Quand je suis arrivé, je ne marchais pas, mais quand je suis arrivé, il n'y avait pas de voiture. J'ai marché jusqu'à la maison. Amen. Amen. Je suis lavé, matin bonheur, à 5h. I washed myself at 5 a.m. Je marchais comme les autres, je marchais bien même. Mais elle dit, mais où est-ce que je suis malade? Amen. And my wife asked me, where is the pain? Je suis totalement guéri. Totalement guéri. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? This morning, I gave my wife a present à mon papa. Alléluia! Je suis un accord. Ce que nos parents, on leur donne là. Et que tu es content, c'est ça que tu lui donnes. Alléluia! Alléluia!